un locataire a été trouvé pour les locaux d'AIM à Villedieu et des discussions sont en cours pour l'abattoir de Sainte-Cécile. La bonne nouvelle a été annoncée par Charlie Varin, président de l'intercommunalité de Villedieu-les-Poêles, lors de ses vœux vendredi 18 janvier 2019. Des implantations économiques, des créations d'emplois. De quoi redonner de l'espoir aux anciens salariés d'AIM, le groupe spécialisé dans l'abattage de porcs. Sa liquidation, l'été dernier, a laissé 235 personnes sur le carreau, à Villedieu. Il s'agit d'une entreprise qui est prête à créer 153 emplois. Il ne s'agira plus d'agroalimentaire, détaille Charlie Varin, contacté dimanche. Concernant le site principal, l'abattoir de Sainte-Cécile, un industriel européen, serait intéressé selon l'élu qui préfère garder secret le nom du potentiel locataire. Lui non plus ne travaille pas dans l'agroalimentaire. Je préviens les anciens salariés d'AIM, plus d'infos sur ouest-france.fr pour aller plus loin à lire aussi sur ouest-france.fr.